Salut à tous et à toutes, ici Supercanon, ça fait Fly, on se retrouve pour l'épisode 35 de Pokémon Uncensored Edition. Encore 5 épisodes et on dépasse le record de Dark Aging, hein. Ouais, je pense que Pokémon Uncensored a dépassé le record. Mais bon, un peu en trichant à la voix. Donc aujourd'hui, parce que oui déjà, Goa touche assez pour le dernier temps, pour la dernière fois. Oui. Oui. Après le cliffhanger du dernier épisode. Talrad, Ken, personne n'est autorisé de venir ici. Ah. D'accord, si. D'accord, ça joue. Ça se la joue à un jeu que j'aime pas trop. Ça se la joue à infiltration. Hello tout le monde, je suis prêt pour une grande surprise. Donc lui, il est vénère ici. Oh ouais, je tout est prêt. Voilà. Merde. Lui, il est sous protéine, il est sous caféine. Allez, on va faire ça. Merde. Il faut le faire ça en first try. Très bien, ça. Il y a une musique qui rigole à chaque fois. Voilà. La voix du professeur Chen est revenue en porno. Tu frappes le garde, mais le garde s'en bat les couilles. Ah. Ok, il y a du timing dans l'air. Faut pas aller par en haut, il faut aller par. Oh merde! Putain, c'est quoi cette hitbox assez pété? Donc là. Bien. Ça va, la musique elle est pas trop chante. Donc là. Ah, fais chier. Chier. Je sais pas s'il faut arriver au truc tout en bas. J'étais pas loin. Le pire c'est que je lui mets des coups de pied au garde. Totalement la rue. Non. Ouf. Chaud patate. Alors ils ont pas tous la même vitesse. Je connais ce genre de dessus. J'ai pas le timing. Bon, il y en a un qui est plus lent que les autres. Donc. La blague c'est que. Maintenant. Ah. Mais c'est pas possible. Comment tu veux faire ça? Non mais. Non, ça c'est pas possible par contre. Autant 3, je suis d'accord. Autant 4, sachant que tu peux pas voir le quatrième parce qu'il est hors de l'écran. J'ai dit non. Regarde, le pire c'est que je le frappe, le gars il dit rien. Ouf, au cas où. Lui, il est easy money. Oh putain. Il faut étudier le pattern. Bon là, j'ai compris qu'il fallait foncer que tel un imbatté. Je peux la jouer aussi comme ça. Imbatté. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant là. Attends, je suis bête, je peux faire comme ça. Le mec il a. J'ai un taux de réaction digne d'un. Merde. Oh mais quel imbatté, quel gitan, tout ce que tu veux comme insulte, putain, mais quel imbatté, mais. J'avais compris bon ça je peux le tryhard. Là, je peux le tryhard, voilà. Ah mais c'est easy money. Voilà.
Là. Voilà. Maintenant, là, c'est plus dur. Dès qu'il me passe devant. Avouons-le, les gardes sont un peu cons. Putain. J'ai tenté. Mais alors lui, par contre, il faut le baiser. Oh putain. Il n'y a pas moyen de sauvegarder dans le jeu. Bah, dans cette partie-là. Bah, du truc. Si on peut sauvegarder. Ah bah. Écoute. Il y a possibilité de sauvegarder. Eh ben, on va tryharder comme un sac à mort. Comme un pire des sacs à merde. Hop. Tac. Tac, tac. C'est le pire garde ever. Ah là, lui, j'ai pas encore compris son pattern. C'est pour ça que je sauvegarde. Ça, il me baise, je recommence. Pire garde ever. Je sauvegarde. 6 minutes quand même. J'aurais pu prendre moins de temps, je pense. Certains SO, fonctionnent au moniteur. Ok. Attends, j'ai fait le tour du truc là-bas. Un garde. What the hell? Qu'est-ce qui se passe sur Terre? Apparemment, quelque chose de qui va être fou. Ici. Tu viens avec moi. Ok. Come on, Rugby! Come on! Trainer's Tower Hudson, donc le toit. Ouac! Il est trop tard. Le portail est ouvert. Il a une tiers du temps pour Gartena va émerger. Ouais. Besoin pour que Gartena. Ce sont tes derniers mots, ceci. Fuck you! Je vais te tuer, Ouac, je le sais. Mais ce n'est pas terminé pour une base. Just fuck you! T'as dit une commande. Tiens, bouffe dans tes couilles! You cross rain, you're happy! Sac à merde. Attaque spéciale! J'ai esquivé l'attaque. Juste abandonne. La musique. Entends ça. First. Pouf. L'attaque a été esquivée. De quoi vraiment me battre. Just fuck you. Tu bloques la vague de ton opposant et maintenant. Blah. Ok. C'est pas compliqué. La fin de la pompe. Fais tuer, espèce d'assassin! Ah ouais, c'est un petit peu pire que ici. La musique est bien folle. Blah. Ah, est-ce que je vais mourir comme un caca? Ah. T'as mis venu, Purple. Tu ne peux plus m'arrêter. Sérieux. Ah. Oh non, Purple! Tu t'es sacrifié! Ah non. Non, est-ce que tu réalises ce que t'as fait? C'était pas supposé être comme ça. Oula. Oh, je vais mourir comme ça. Pour rien en plus. Non. Pour Blaine. Bon, pour son père qui s'appelle. Qui est. Blaine, c'est Auguste. Pour salope. Waouh. Attends, ça se finit comme ça? Le fan game créé par Savandes. Attends, ça se finit comme ça. Rajuise, ma grâce, merci à Nintendo, Savandes.
Killam Ninja, Kaorush, Winaz. Attends, Pokémon et Sunset, je finis comme ça. Ils sont même pas un, un combat de Pokémon. Ah bon. Donc là, c'est les sans doute ceux qui ont participé au jeu. Bon bah voilà. Ah voilà, Pokémon Sunset, l'édition est terminée. 35e épisode. Et les musiques, Junichi Masuda, Go Inishino. Bon, ça doit être des, ceux qui ont fait les musiques, des vraies musiques du jeu. Et ça, bordel, ouais, il en a fait quelques-uns. Bon bah voilà, alors mon avis sur le jeu, est-ce qu'on va en parler? Bah oui. Bah c'est une très bonne version hack. Pas à dire. Hein. Qui rajoute des trucs intéressants, des trucs marrants à faire. Y a pas à dire. Par contre, je croyais qu'il y avait deux chapitres. Parce que là, on en a fait un chapitre. Et encore, toi d'avoir joué. Merci. Alors, l'esprit super d'Eden. Umbreo, c'est. Et ben voilà. C'est un très bon jeu, la musique. Bon bah, tu peux choisir la musique que tu veux, les musiques que tu veux. Donc, c'est bon. Le scénario, bon bah, il est pas si pipi caca prout que ça. Hein. Il est intéressant quand même. Assez poussé avec bah, des meurtres. Quelque chose qui devrait être dans Pokémon de base. Enfin, pas prendre les gens pour des enfants, quoi. Là, ça, c'est sur un ton sérieux, même si ça parle de trucs sérieux, quoi. La drogue, le meurtre, tout ça, la vengeance. Mais un peu déçu par cette fin, quoi. Parce qu'on contrôle pas le personnage, quoi. Moi, merci. Non, je vais pas mettre mon nom dans le crédit, quand même pas. Et spécialement pour ton support, le support, notre support durant 3 ans d'événement. Merci les gars, vous êtes géniaux. Donc j'ai pas fini, hein. Il reste des Pokémon à faire monter de niveau, il reste des trucs, le donjon, le deuxième donjon que j'ai pas fait, que je vais vous faire. Félicitations, vous avez complété le dernier chapitre de... Maintenant, essayez de trouver tous les 50 Dido et ouvrir la porte. Et si vous obtenez tous les 97 septèmes, hein. Ouais, Final Cave, ça je l'ai fait. Et... Ben the game for me. Bah voilà, le jeu est fini. Je croyais qu'il y allait avoir encore un chapitre en fait, mais pas du tout. Pas du tout. Bon bah on va faire la Final Cave et puis au dernier prochain épisode, bah ce sera le dernier je pense. Malheureusement. Je sais pas si je vais aller chercher tous les 10 de mon côté. Il m'en manque encore 11. C'est un peu beaucoup hein, on va pas se le cacher. En tout cas voilà, un jeu de fées, une version hack, donc pour le prochain épisode. Je sais pas, soit je vous fais une nouvelle version hack et je continue ce jeu de mon côté pour faire pour vous montrer les trucs que j'ai pas pu vous montrer là sans finir le jeu. Donc là déjà faire la Final Cave. On est à 13 minutes d'épisode donc je sais pas à laquelle peut me prendre 1000 ans à faire hein. Pas hein. Elle peut me prendre très bien 10 minutes que tout un épisode hein. Bon déjà là je suis en train de vous faire de la merde donc ça aide pas. Donc prochaine version hack, je crois que c'est une ROM française en plus. Mais je n'ai plus le nom en tête. On verrait bien. Donc quoi qu'il advienne, il y aura un dernier épisode. Après celui-là. Parce que la cave, je pense pas que je vais vous la faire là dans cet épisode, je pense pas qu'elle va prendre 15 minutes. Bon, je pense pas non plus qu'entre cet épisode et le prochain, qui sera le dernier, donc 36 épisodes, pas mal. Hein. On va pas se cacher. On a tenu le temps. Donc avoir les 250 Pokémon, il m'en manque un Ditto, j'aimerais bien en trouver un dernier. Donc il y a bien 50 Ditto dans le jeu. Hein. Il m'en manque un, donc c'est sans doute des quêtes.
Les 97 TM, bon j'en ai pas, j'ai pas toutes les TM, donc le jeu est pas sans venir à 100%. Il est fini, mais il reste du truc à avoir. Bah au-dessus que je pense aller chercher mon œuf de Riolu. Donc ouais, il m'en reste 70 Pokémon à avoir. Je vous avoue que ça fait un petit peu beaucoup à avoir, parce que j'ai, je crois pas que j'ai 250 Pokémon possiblement à avoir. Là. Ah oui, c'est vrai. Alors peut-être qu'à la fin du donjon, il y a Giratina, hein, vu que. Peut-être, hein, je sais pas. Hein. Est-ce que je vais. Ah oui, il y a des Pokémon, c'est vrai. Un Tyranocif. Ah ouais, carrément Tyranocif. Bon, pour lui, je peux lui mettre un lance-lame, il ne mourra pas, ouais. Pélac. Putain, il fait mal. Un Tyranocif. Flame Blix. Alors lui, le capturer... Courage. Ah oui, mais il y a un problème. C'est que j'ai pas des Pokémon surcraqués, hein. Bon bah on va tenter de capturer, et puis si y a un Pokémon rare. Parce qu'il y avait déjà tout en cas à faire. Non, c'est bon. Ouais, capturer, le capturer lui, Tyrann aussi, ça va pas être facile. Hein. Non! Oh le noob! J'ai voulu, je suis allé trop vite, putain! Putain, mais c'est chiant! L'option, la force option, c'est. C'est l'attaque, quoi! C'est nul sur 20, quoi! Bah ouais, j'ai pas fait attention, je suis allé trop vite, et puis voilà, il est mort. Bravo! Bah ouais, je suis allé trop vite, putain! Même pas si je vais en retomber sur un autre. Hein. Ça va, c'est un Pokémon qui tombe assez rare en ce moment. Et j'ai oublié de mettre une guérison. Voilà. Ah oui, il est brûlé. Ah ouais, en fait, Blitz, c'est c'est bout et feu ça. C'est bout et feu, d'accord. Bon là il est brûlé, il devrait pas faire chier son monde. Plus ça enlève pas mal de vie quoi. Ah mais je veux pas mettre ça, je vais jeter mon ultra ball. Ok, monsieur est brûlé, il est quasiment dans le jaune, mais bon, monsieur s'en fout. Il va mourir rebrûlé. Tout ce que j'ai gagné. Encore deux tours, il meurt. Hein. Voilà, Tyranocif. De l'ISP. Tiens aussi, Pokémon armure. Une partie de la grotte. Hein. Nombre de rangers veut se battre. On voit tout et qu'on zède. Aïe, allô. Je sais plus comment ils disent en japonais dans ce lab, mais ils le disent super bien. Embargo. C'est une attaque de nerf. Ghostolika. C'est. Mesmerella, c'est même pas. C'est même pas Mesigal. Telekinesis. Je plane dans les airs alors que je suis dans les airs.
Black Courage. Elle a pas battu l'ombre. Alors maintenant. Sidérina. Comment il s'appelle ce Pokémon? Mélanco. Non, je sais plus comment il s'appelle. Mais Magirev. J'ai pas de Magirev. Et il n'y a pas de feu forêt, moi. Du coup. Ah, c'est bien Magirev, parce que Magirev, c'est... Ah ouais. Du Pamédra Courage. Comment je vais faire pour qu'elle fasse des Pokémon sauvages maintenant? Shockwave. S'il y a un Pokémon rare à la fin de cette cave, je vais bien baiser ma gueule. Parce que j'aurais utilisé toutes mes Pokéballs sur ce con. Bon, j'ai plus de Dracorage. Tant mieux. J'aurais conservé ma Master Ball, bêtement. Voilà, Magirev. Magirev, un Pokémon magique. Pokémon sorcière, j'aurais plutôt dit, vu à quoi ressemble Magirev. Ça va, il y a des Pokémon sympas ici. Alors, est-ce que j'ai l'objet que tout le monde aime avoir, c'est-à-dire un élixir? C'est dans médical, ça. Alors, est-ce que j'ai des max élixir? J'ai un mass éther. J'ai une éther. T'as utilisé ta dernière éther. Ah, mais comment je vais faire, moi? C'est pas par là. Il y a du stuff, hein. Donc, cet endroit se fera en deux parties. Oula, il y a des Pokémon. Ah, le Talia. Reviens. Garde voir. Oh la pute. Pute d'Altaria. En trois tours, je meurs. Ah, psychique. T'inquiète, je te rassure, dans trois tours, tu seras plus là. Et moi non plus. Garde de voir, c'est chic. Donc voilà. Auto d'année. J'ai qu'un tour. Prochain Pokémon. Oh, c'est un ex. C'est notre coco. Regardez, c'est notre coco. Lance flamme. Flamethrower, c'est en anglais, ouais. Mais je réponds, je sais plus. Oh non, yo fado. Un truc du genre. Non, ça c'est... Je sais plus. Kono Hado. Naril. Kono Hado. Non. C'est pas ça non plus. Je sais plus. Ah, y'a un moyen de savoir, hein. Google traduction, hein. Ah bah vous le saurez au prochain épisode, comme on dit l'anciennement japonais. Glingar. C'est pas un des glics, c'est pas un qui était clic. Glingar. Ah non, c'est Scorplan. Ça revient au même, il... Ça revient au même, il a pas une résistance contre du feu. Non, plus, j'aurais pu envoyer Locas. Torchip. Oh. Un petit poussifeu. De mourir. Air Squaker. Ah non, Air Squaker, c'est un trembleur de terre. C'est Earthquake. Ah bon, la fric. Comment un fantôme peut avoir du fric sur lui? Vous trouvez une masse potion. Ok. Cet endroit est... Il doit avoir un dit d'eau. Je pense même qu'il y en a plus d'un. Le Pokémon que tout le monde a oublié, pourtant qui est plus rapide que Dracaufeu. Carnartichaud. Je sais même pas si je l'ai capturé. Non, Carnartichaud, je sais même pas où on le trouve. Arcanin.
J'ai un Caninos, mais je l'ai jamais fait évoluer en Arcanine. Earthquake! Ça le tue pas, hein. Fire Fango! Ça ne brûle pas. Earthquake! Je sais pas, peut-être que cette grotte prend une heure hein, à faire. Hein. Qui sait, hein, j'en sais rien. Hein. Dragon Culo! Bed Doom, je sais plus ce que c'est. Terral. Lancetrower! J'ai même pas où on le trouve lui aussi. Ah, il y a des quêtes que j'ai pas fait, hein. Je vais vous l'avouer. Lixwer. Non, c'est Netran. Lixwer, c'est sa pré-évolution. Garde Spinto. Cherche pas à comprendre. Flamethrower. De toute façon, je pense que je vais devoir faire une pause pour aller soigner mes Pokémon, étant donné qu'ils vont être un peu au bout du cycle, là. Oh, de l'Afrique. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. Oula. C'est bien gardé ici. Je sais pas ce qu'il garde. Un dildo, j'espère. Deux Pokémon. Yanma. Heureusement que mes Pokémon sont niveau 70, parce que si je serais arrivé à niveau 50 à la fin du jeu, on se ferait bien allumer le cul. Hein. Remarque, même les niveaux 60 battent les niveaux 70. Ah oui, c'est vrai, il a piqué le turbo. Stinky, oh c'est Bouquet. Thunderbolt, zo. C'est vrai que Gardevoir, avec son talent calme, peut être assez chiant, on va dire. Comprenez maintenant. Parce qu'il calque le turbo, il calque le turbo, du coup il a un talent craqué. À la raison, tu mets Gardevoir face à un vrai gars. Le garde-voix, il gagne turbo. Non, il gagne pas. Si, il gagne turbo. Le talent spécial, l'un des talents spéciaux de. L'un des talents cachés plutôt de. Poussifeu, Brazegali, Brazegali, mais l'autre que. Mais l'autre que. Turbo. Donc, du coup, garde-voix est un gros contre un contre Brazegali. Parce que déjà, il a l'affinité des types. Shadow Man. Ouh, il a 6 Pokémon. C'est Checo. Enfin, un Pokémon connu pour sa défense. Ou rebond. Je perds un tour. Ça peut me paralyser, hein, cette merde. Ça m'a paralysé. Oui. Oh, il fait... Putain, connard de fils de pute, de spammeur, de casse les couilles. Vieux Pokémon en bois. Enfin, un opin qui spam rebond. Le classe passe niveau 52. Marowak. Ah tiens, Loka, ça te jouait. Loka, attaque cascade. Forcément, il y a des niveaux différents. Ah, la cascade peut apeurir, j'avais oublié. C'est vrai que c'est très rare qu'une cascade apeure. Bon, bah, Loka, ça gagne. Bravo, Loka. On va bientôt avoir Poliswag. On va bientôt avoir notre Pyrax. Un Pyrax. À part son surnom, on aura eu tous les Pokémon Swag du au monde, hein, de la 5ème génération.
Ah, il fait Konobi non. Inutile. Konobi non. Il y a une attaque pétée, mais... Ah, l'huître. Qu'est-ce que je sais pas si c'est une blague ou si, je sais pas si c'est fait esprit ou pas, mais ce Stabri est femelle. Je vous laisse, comprendre la suite. Bon, ça me casse les couilles. J'ai des masques, j'ai des guérisons à foison. Il y a encore 6. Ouah, ça fait l'affaire. Donc je vais ramasser le stuff et on va s'arrêter là. On aura tapé tout le monde dans cette zone de la grotte. J'irai me soigner, j'irai faire j'espère qu'un de mes deux Pokémon il va évoluer, comme ça je pourrai en apprendre un autre. Blatoise, c'est pas Tortank. Merci. Si, c'est Tortank. Rain Danks. M'en fous que tu me fasses une Rain Danks. Tu peux me faire une Brain Dang, j'en ai rien à branler aussi. Niveau 5 ans, il va prendre Damoclès. C'est pas très utile pour un... Pour lui. Pour pirate. Ah, Léviator. J'ai pas regardé les stats de vitesse en fait. Bon, de toute façon, Gardevoir est plus rapide. On va savoir pourquoi. Le fric. Ah. Vos tournois évoluent en vos tutrices. Oh les chiottes, votre... Vos tournois évoluent en vos tutrices. Alors là, faut la doter, sinon tu tombes. Pas un combat. Il est facultatif ce coup. Ah ouais, ça se continue là-bas. Trouver une full heal. Voilà. Je peux aller chercher le stuff là-bas. Okay. Tout tant qu'à faire. Eh ben j'en ai rien tout tant qu'à faire. Il y a une Pokéball. Une protéine. Ce que je préférerais, c'est avoir des CT. C'est quoi cette orbe? C'est pour avoir Goudon? Je sais pas, moi ça me fait penser à Goudon. Un Pokémonia. Ouais, t'es dur ça. Je croyais que c'est pour avoir machin. Goudon. Je sais pas, on dirait le truc de Goudon. On verra, hein. Smorlaf. Hop. Contre lui, il vaut mieux taper lourd et fort. Air Squaker. J'ai enlevé à peine la moitié de sa vie. Giga Impact, salut. Le gros lourd. Bon, on verra ce qu'il y a dans cet orme et on va s'arrêter là. Je pense qu'on va rester longtemps ici, hein. Mais mon ami. Sfal. Ah, au Bali. Le Bali. Décès sur place. Zatou. 200 points de vie, vos tutrices. Pas mal. C'est vrai que c'est un Pokémon assez résistant. Pourquoi il avait un bout de Zorua? Ah, c'était un Zorua, c'était pas Zatou. Ouais, c'était Votu. C'était Zora. Ils ont pas modélisé. C'était Zorua. Moi aussi j'étais surpris, ouais. On disait, mais pourquoi ça fait un bout de Zorua? Ah, bah c'était Zorua. Là c'était Zatou. Déjà, j'aurais dû me douter, ça a pas fait super efficace. Putain,
Ah oui, il avait 6 Pokémon. Bon, son dernier, c'est Milotique, donc Milobélus. Que j'ai pas. Pas de Barpo, je sais même pas où on trouve Barpo. Il a tué Pokémon. Ouais. Donc c'était quoi cette orbe? Une orbe rouge. Calcium. Ouais, on s'en bat les couilles totalement. Je sauvegarde. 30 dildo. Ah, il y a un étage en plus. Il y a un F, c'est qu'il y a un 2F, forcément. C'est une ombre à toucher. Oui, vous touchez l'or. Ah, non. Ça ouvre des trucs. Très bien. Donc, cette grotte est quand même assez... Il est de maths. On sait comment on est. Ah, il y a Karchakrok ici. Ok. C'est moi ou elle m'a soigné? Ou j'avais déjà tous mes points de vie avec Gardevoir? Non, non, c'était une illusion optique. Lui, je l'ai pas affronté. Hein. Ah, il faut surfer là. Il y a des Pokémon ici? Je sais pas. Je vérifie et on va s'arrêter là. Promis, juré. Non, juste pour une Pokéball. Une Power Brasseur. Je sais pas ce que c'est. Bon, pas de dildo. Il en manque quand même 11. Hein. Donc c'était juste pour un bracelet. Ok. En fait, lui, non, il est bugué, en fait. Je pense surtout qu'il est bugué. Bon, on prend la Pokéball, on refait le tour, et puis... Tiranoussi, c'est bon. Niveau 50, bon, merci. Bon, on a capturé, je pense, tous les Pokémon de la zone. C'est bon à savoir. Vous tenez Mass Repel. Ah, quoique, ça pourrait être utile. Étant donné que j'ai envie d'aller chercher l'item que j'ai pas à aller chercher. Donc voilà, c'était pour un objet en plus. Un objet assez utile quand même. C'était pour à la fois le bracelet qui est là. Mass Repel, hop, utile. Putain, j'ai du bordel moi sur moi. Eh ben, ça ne s'arrête plus. Bon, ouais, ça augmente les attaques. Mais la vitesse en pâtit, je pense que c'est ça. Alors, les dresseurs, je les ai tapés. Je suis pas allé chercher la Pokéball, c'est ce que je suis allé, ce que je vais faire. Comment on va la chercher? On va la chercher. C'est tout bêtement. Ah oui, il faut affronter cette dresseuse. Ok, je vais l'affronter et on s'arrête là. Pam. Pam. Colo singe. Peut-être qu'on aura Pyrax. Hein. Non, Pyrax c'est niveau 60, hein, si je dis pas de bêtises. Je sais plus. Nous voulons niveau combien Pyrax. Je sais pas. En tout cas, je ferai des œufs. Bien sûr. Je ferai entraîner les Pokémon. Histoire. Je sais pas, histoire quand même qu'on finisse. Qu'on ait quand même la récompense des 40 Diglo, histoire que j'en trouve un. Un de plus. Duosius, c'est Duos. Donc là, on est à 383 Pokémon. Ouais, je pense que Pyrax, il va arriver assez tardivement. Et donc, la dernière Pokéball, c'était une Swiftwing. C'était une aile qui augmente les points de vitesse, si je dis plus de bêtises. Ah, le jeu qui se barre. C'est le signe qu'il faut que j'arrête. Allez, c'est un truc qui augmente la vitesse. Je vais utiliser une corps sortie. Je vais aller chercher mes œufs. Et on va s'arrêter là pour cet épisode numéro 35 de Pokémon Sunset Edition. Il y aura un 36e épisode, c'est sûr et certain. Donc les gens d'ici là. Ah, j'ai pas. C'est pas. Triste qu'on évoque. Donc là, pour rappel, hein, là. On m'envoie directement à Chroma City parce qu'il faut que je prenne le bateau pour aller à la pension. Voilà les gens. C'était super Arcane. Hein. J'espère que cet épisode 35 et la fin de Pokémon Sunset Edition, l'histoire, vous aura plu. On finira cette Final Cave. Je promets pas de trouver tous les dildos et les CT. Les portes, on les a tous trouvées, on les a enfuis. Ça, c'est fait. C'est fait.
Donc dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour l'épisode 36. C'était super bien. À vous les studios. Ah, petit bonus les gars. Ah merde, j'ai oublié mon attaque, forcément. Alors déjà d'une, voilà. Brandon est ici. De là. Alors pour avoir Brandon, je vous le dis tout de suite, je l'ai fait en off. Je vous ai pas montré, je l'ai pas filmé. J'ai oublié en fait. Alors pour avoir Brandon, il faut battre le développeur du jeu. Vous voyez le développeur qui se trouve dans notre chambre et qui joue à la console. Et ben il faut le taper, vous le battez, et ben Brandon apparaît pas. Voilà. Donc au prochain épisode, donc ça c'est un bonus. Donc on va déposer le dénard. On va prendre Ratatat qui est à 4 rogues. Oui c'est un petit bonus de 3 minutes. Et puis j'ai trouvé où c'était le sandwich. Bon je me suis spoilé du coup. Alors, j'ai juste vu où c'était, dans la zone où c'était. J'ai une petite idée. Et oui, j'ai vu où c'était, ce que c'était. Donc voilà, je me suis gâché un peu la surprise. Donc au prochain épisode, les gars, on fera la DLN et on fera on ira voir Steven. Donc au prochain épisode, j'affronte Brandon. On va à la Dragon Cave. On va la faire la Dead End. Et après on retourne au machin. Donc un épisode bien rodé. Alors. Voilà. J'ai matraqué ma barre espace dans ce truc pour savoir. Et on affronte Heavy de un métal. Voilà, c'est encore un easter egg après le Saints of Undertale. Ubi de Superfair, donc l'ami Savordais, c'est un grand fan des jeux PC. Des jeux... Superfair c'est Valve. C'est pas très indé. Bah, des jeux Steam, moi, ouais, des Steam. Donc Ubi, ami sur Metalos, qui est un des Pokémon les plus lourds. Prochain Pokémon, Magneson. Alors je n'ai jamais joué à Team Fortress, sachez-le. Je sais ce que c'est. Je n'ai jamais joué. Par moment il est gratuit, mais... Donc attends, pour faire évoluer son Magneto ou Magnézone, il faut venir ici. Ampeleon. Donc voilà, 3 minutes de bonus. Pas une vidéo depuis pas 40 minutes. On a battu Heavy. Non, vous devez tenir le sandwich. Voilà. À votre maître. Voilà les gens, c'était le bonus. Donc on fera plein de choses au prochain épisode. C'est juste génial. Allez. Fin de cette vidéo numéro 35, je crois. Oui.